non. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie encore d'arracher ces trucs! J'aurais besoin de quelques conseils du roi Arthur! Je m'en occupe! Il y a du monde à l'intérieur! Je vais aller les chercher! Remonte te mettre au sec! Dès que j'aurai fait sortir tout le monde. Ça va là-dedans? J'essaie de sortir. J'en profite pour vérifier s'il reste pas de civils. C'est pas beau à voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Les garçons à l'abri? Allô? Ah, pas de signal. Vaut mieux pas traîner. Oh! Ça se gâte sérieusement. Solution. Accès électrique. Ça m'a l'air prometteur. J'espère que Pete a retrouvé Scorpion. Ces gens n'ont pas conscience du danger qu'ils vont libérer. Est-ce que vous êtes toujours là? Je suis là! Je vous le jure! Allez, système de secours. Montre-toi. Ouais, trop cool. Le niveau de l'eau monte. Faut absolument que je trouve une autre sortie. Il y a un fort courant électrique par ici. Même moi, je peux le sentir. Faut pas que ce garde soit touché. Il va se faire carboniser avec tout ce courant électrique. Je vais vous demander de vous éloigner de l'eau, d'accord? Merci mille fois, petit! Je vous ai sauvé! Vraiment? On a Scorpion en visuel. Super-héros. Peut-être que tu t'accroches là où les autres abandonnent. Maintenant que tu es Spider-Man, j'ai plus à m'inquiéter.
Tu as manqué de temps, micro. Non. C'est bon. On tient. Non, Lee, tu t'en sortiras pas. Qu'est-ce qui se passe? Ma puissance bioélectrique. J'ai du mal à la contrôler. Spider-Man, ils emmènent Lee. Scorpion aussi. Je suis à leur trousse. Miles, tu penses que tu peux t'occuper de lui? Je dois revenir tout de suite. Non, je peux gérer. Vas-y. Est-ce que t'es sûr? Je peux pas le laisser s'approcher de ma famille. Pas après ce qu'il a fait à mon père. Je me dois de les protéger. Ils ont besoin de moi. Il arrivera rien à ta famille. Rien. Tu vas assurer. Je reviens très vite. Je maîtrise. Empêchez-le. Là, l'araignée. Revenez ici tout de suite. Qu'il en reste plus. Spider-Man, panique pas tout de suite.
Mais l'East River est en feu! Quoi? Oh, ok. J'arrive tout de suite. On s'occupera de Scorpion plus tard. Allez, allez! Oh, j'arrive tout de suite! Accrochez-vous à quelque chose! Pas question! Lee ne partira nulle part! Un peu. Faut que j'arrête cette hélice. Je peux la voir. Je peux pas entoiler l'hélice avec ces brutes qui me tapent dessus. Oh tiens. Combien de fois je vais devoir vous le répéter? Lee reste avec moi. Que vous m'avez pris. Spider-Man, lâche-le! Au moins, les premiers secouristes sont là. La police cherche encore, mais y a aucune trace d'eux. Ça donne quoi en amont? Y'a que des décombres! C'était qui, ces types? Je sais pas, mais ils sont à la pointe de la technologie. Sans compter qu'en plus, ils ont Scorpion, Ellie. Hey, quel que soit leur projet, on les trouvera, et on les arrêtera. Ouais. Pete, quand j'ai vu Lee sur ce bateau, mes pouvoirs, il... Tu crois que son énergie s'est mélangée à la tienne? Franchement, je sais pas. Mais ça a l'air... instable. Je sais pas d'où vient ton bleu électrique, mais ça nous a sauvé la vie tout à l'heure. Hey. On remettra Lee dans sa cellule. C'est promis. Me
mets pas un vent, s'il te plaît. Tu vois pas que je me prends la tête? Interdit de bouder. Allez. Change rien, Pete. Tiens le coup, Miles. Salut Miles. J'avais pris l'habitude de tomber sur ta messagerie. Je t'ai envoyé une adresse. Tu veux venir? Salut, oncle Aaron. Alors, pas le temps de venir voir ton oncle? Non, je voulais juste te laisser respirer après ta libération. C'est pas la peine. Et puis, on a des trucs à régler. Ah ouais? À plus tard, petit gars. Va lui rendre visite, Miles. Ce sera fait. Après, on se concentre sur ceux qui ont enlevé Lee et Scorpion. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup qui se prépare. Ouais, ça fera clairement l'affaire.
on dira ce qu'on voudra des réseaux sociaux. Mais il faut bien reconnaître qu'ils ont quand même aidé pas mal d'entreprises à s'en sortir, alors qu'elles auraient pu mettre la clé sous la porte il y a longtemps. Salut les amis, ici Danica. Vous écoutez le DaniCast, le podcast le plus populaire du moment à New York. Accroche-toi à ta moustache, Jonah, j'arrive pour te piquer la couronne. Je tiens d'abord à saluer les nouveaux auditeurs. Le DaniCast, c'est votre rendez-vous quotidien avec de vraies histoires racontées par de vraies personnes. Vous avez entendu l'histoire de Dennis, ce conducteur qui a continué à faire fonctionner tous les métros de la ville pendant l'attaque de l'Homme Sable? L'accès à la cabine de contrôle principale a été coupé, mais il est arrivé à se reconnecter au réseau depuis son smartphone pour éviter une interruption du trafic. Des milliers de gens ont été évacués du Queens et de Brooklyn grâce à lui. Dennis, toute l'équipe du DaniCast te salue. Continue comme ça. Hé hey, une petite danse, peut-être? J'ai pas de refus. Je vais te détruire, sale indigne. Cette fois, c'est fini! On dirait que je combat pic! Je dois vite rafistoler cette citerne! Merci du coup de main. J'essaie juste d'être à ton niveau. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce cristal ?
Quelqu'un nous observe, Kinyan. Mais je ne veux pas que tu t'inquiètes. Je m'en occupe. Quelqu'un gardait toujours un œil sur Marco. Mais Kimia, c'est qui? Parfois, j'ai peur que toutes les catastrophes qui arrivent dans notre ville dissuadent les gens de sortir de chez eux et de vivre leur vie. Mais pas aujourd'hui. Chaque journée, son lot de désastres pour notre ville bien-aimée. Et devinez qui sont les responsables? Ce qui ne devait être qu'un banal transfert de prisonniers a tourné au fiasco. À cause de qui? Des Spider-Man, évidemment! Ils se sont sentis obligés de se mêler de ce qui ne les regardait pas. Et un groupe de mercenaires inconnus en a profité pour détourner le véhicule transportant les super-vilains Scorpion et Mister Négative. On ne sait pas grand-chose sur ces nouveaux énergumènes, si ce n'est leur penchant pour les pots de bête. Mais une chose est sûre, les Spider-Man n'ont rien fait pour les arrêter. Est-ce que tu comptes vraiment garder ton masque? Tout dépend. Relax. J'ai pas envie que mon neveu me mette une nouvelle raclée. Ton père me lançait exactement les mêmes regards. Petit? Martin Lee. Quelqu'un l'a libéré. Je sais ce que tu te dis, Miles. Mais c'est pas ta faute. On peut pas le laisser vivre ici. C'est juste une autre sorte de prison. C'est pas si facile. Je dis pas le contraire. Mais parfois, il faut savoir se défaire du passé pour pouvoir aménager son futur. C'est pour ça que j'ai appelé. Faut que tu récupères des trucs. Je le ferai bien moi-même, mais... le rôdeur a dû prendre sa retraite. Qu'est-ce que c'est ? Juste du matos à retirer de la circulation. Planqué près d'un labo de Roxxon désaffecté, vers Central Park. Ouais, je vois où c'est. Tu laisses vraiment le rôdeur derrière toi ? Derrière nous. T'oublies un truc. Comment t'as... Hé, hey Miles. À propos de Lee, fais pas de conneries. Ouais.